ça, moi, quoi que c'est bâtonnier Covin qui leur a présenté la constitution 1889, là, il était dit très clairement, en constitution, c'est tradition, nous, c'est principe généraux qui permet d'écrire et qui permet de suppléer ce qui n'est pas écrit. Et c'est dans ça que nous sommes là, je veux dire. Et c'est pour ça que, malgré que la Constitution ne prévoit pas clairement ce qui est pour faire dans la situation, ça, ouais, mais il y a des principes, comme je l'ai toujours dit, et nous-mêmes, nous tous, dans le monde qui signe, et nous dit que il y a des principes juridiques qui étaient, c'est-à-dire les principes généraux du droit constitutionnel qui étaient, et il y a des principes généraux de savoir l'idéal démocratique qui étaient, et c'est eux qui pour guider nous dans quelle que soit solution que la PC est. Qui s'arrête ou qui s'arrête? Qui s'arrête? Principe, c'est là. Oui. Nous partons du principe que c'est nos états démocratiques et que nous voulons, et que ce n'est pas en dictature ou en monarchie, etc. Donc ça veut dire que la première chose, c'est le respect du suffrage universel. Recherche du suffrage universel, c'est-à-dire respect du suffrage universel, ça veut dire que en nous gardant, je dis à nous gagner 10 mounes, qu'on remet ou qu'on pas remet, on n'a pas besoin qu'on ait une appartenance politique, mais n'empêche que nous avons un mandat nommé, un mandat n'est pas qu'on finit. Donc ce respect du suffrage universel. Respect du suffrage universel, ça veut dire que un gouvernement transition, ce n'est pas une occasion pour des mounes de dire bon, on a tout fini à son pouvoir et puis nous faire un plan pour nous faire ça nous voulons. Non. Un gouvernement de transition qui t'a fini, c'est pour justement permettre que l'élection soit le plus rapide. Parce qu'un gouvernement qui n'est pas élu, pas capable de faire des réformes de société. Réformes de société, il est capable de venir seulement de la part d'un gouvernement qui est élu. Et l'âge universel là est l'électeur. Deuxième principe et deuxième exigence, c'est qu'un gouvernement, quel que soit sa lien, un gouvernement de transition, un gouvernement élu et autres, les un gouvernement ou état de droit, son c'est travail ou travail pour nous. Et Mounio, c'est électeur. Ou pas travail pour tête. Ou pas mettre l'État. Ou du moins, c'est gérer ou gérer l'État pour le peuple. Donc, ça veut dire que tout le monde qui a géré pour de l'autre monde, que ce soit un gardien, que ce soit un gérant, un magasin, etc., il y a un rapport pour le bail. Que ce soit un président direct de société, il y a un rapport pour le bail dans l'Assemblée générale. Ça veut dire que faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Ça va faire, il faut gagner des gens qui ont demandé permission, ou bien est-ce que ça me fait bon, ou bien ça me fait, est-ce que pas bon, ou bien si je bêtise dans ça me fait, est-ce que je ne vais pas mettre dehors tout. Donc, l'habilité et principe de reddition de compte. Donc, troisième principe, c'est de contrôle, il faut gagner un organisme juridictionnel le plus souvent qui, côté l'homme fait un acte qui passe, qui dépasse la loi, qui passe dans la loi, faut que mon tribunal qui est capable de dire m'annuler son faire parce que ou sorti de compétences que la loi te baoua. S'il le faut prendre des sanctions même. S'il le faut prendre des sanctions, soit annuler l'acte et même prendre des sanctions sur le monde qui prend acte. Donc, mais gros principe qui doit guider nous dans quelle solution que nous avons cherché à quel que soit ça lié. Je vais rappeler rapidement. Youn, c'est respecter le suffrage universel là, parce que c'est lui-même qui est véritable souverain. Deuxièmement, c'est responsabilité, principe de responsabilité et de reddition de compte. Troisièmement, c'est que gagne des tribunaux. Nous presque dans quasi totalité d'absence de structures silaio qui sont les représentés principes généraux et en démocratie. Et Maître Bernard Gosselin, regardez cours de cassation, CSPJ, Maître René Sylvestre, vous avez mentionné le Sénat, par exemple, qui a seulement 10 mounes qui étaient là dans les 10 élus réels de la République. Et face à ça, vous proposez et préconisez encore une fois cet accord, ce consensus et ce shit attendu entre les acteurs pour une sortie de crise en douceur. Oui, nous proposons un accord, mais un accord qui inspire nous de trois principes que nous sommes bord là. C'est-à-dire que 10 sénateurs n'ont pas parlement pour compte, mais n'empêche qu'ils ont un mandat. Donc, ils n'ont pas qu'à écarter. Ça que et nous ou pas qu'à écarter, il faut qu'on intègre nos mécanismes de mise en place de ça que vous faites là. Mais en même temps, comme il n'y a pas toute nation, parce que faut nous prendre dans l'esprit 149 là. L'esprit 149 là, c'est l'Assemblée nationale là qui pour élu président provisoire là. Or l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble de la représentation populaire. Ok? Eh bien, puisque nous en nous l'esprit c'est quoi? D'abord, prendre un monde qui a un mandat nommé, parce que vous gagnez toujours, et puis avec eux, nous permettons des mondes qui représentent l'ensemble de la nation.
des membres de la société civile, de la société civile, etc. Et là, pour ne pas faire rien d'arbitraire, nous inspirons-nous de mécanismes que la Constitution toujours prévoit lorsque pour mettre un CEP. Qui secteur qui contribuait pour mettre un CEP, des secteurs qui représentaient la société. On a mettre plusieurs monde, personne ne peut pas d'accord, mais nous disons pas, c'est pour nous entrer dans l'expérimentation, on garde sa constitution en lui-même, il prévoit. Pour nous être le plus proche possible de constitution. Et c'est ainsi qu'on a une conférence épiscopale, et secteur vaudouisant, secteur protestant, secteur droits humains, secteur presse, secteur université, etc. Donc, c'est-à-dire au bon. De nous chercher et consensus pour faire un CEP, l'île en constitution, en inspirant de ça. Et on qu'un des 10 sénateurs qui gagnent pouvoir, qui gagnent mandat nommé toujours, pour nous faire un organe, une assemblée qui véritablement représentait les secteurs de la nation. Quelque chose de symbolique. Quelque chose de plus que symbolique. Parce que si vous êtes symbolique, vous êtes là et puis vous n'avez pas de pouvoir, vraiment. Pouvoir, contrairement à ça qui qu'on fait avant, dans, par exemple, période 2004, tu as un conseil des sages, mais le conseil des sages n'a pas de pouvoir vraiment. Mm-hmm. Pendant Tatouyo, tu es président provisoire, il était un conseil d'État, mais qui n'a pas de pouvoir vraiment. Mm-hmm. Tandis que là, nous proposer, justement pour respecter le principe de responsabilité, pour un gouvernement pas capable de gérer, pourquoi mm-hmm. que. Et organe ça, mm-hmm. qui représente les secteurs de vie, élus qui étaient toujours eux, qui ont gagné des véritables pouvoirs de contrôle sur le gouvernement. Mm-hmm. C'est-à-dire que le budget n'a pas voté sans pas bail OK. Mm-hmm. Que le décret n'a pas voté sans pas OK. Et que c'est eux-mêmes qui représentent la nation qui pourraient désigner président provisoire là. Et que gouvernement, si le gouvernement, pendant que l'abgéré a gagné des bails, que le pas fait gagner des ministres qui n'ont pas fait de job du tout, mm-hmm. qu'ils sont capables de pouvoir de censure pour demander pour le ministre et virer d'eau. Là, nous sommes en train de monter un scénario avec des hommes et des femmes d'étoffe et d'État. Oui, dans un pays où on se respecte convenablement, où l'on pense pays, où l'on pense nation, pays, etc. C'est ça. C'est ce que nous souhaitons. La feuille de route sur les trois, on s'est promis d'en parler à la seconde tranche. Mm. La feuille de route, d'abord, comme nous disons, c'est constituer et on gouvernement pendant qu'on a respecté le principe de démocratie, le principe de responsabilité. Devant Organ ça lui-même qui représentait l'ensemble de la nation, donc et dans l'esprit Constitution 149 là, et puis il faut un organe juridictionnel. Donc, faut nous remettre pouvoir judiciaire la chute en place. Et parce que sinon, Abgon Roche cap manqué en bas chaudière. Et donc. Et remettre en place, c'est-à-dire au cours de cassation, il y a des gens qui ont été révoqués ou bien qui ont été mis à la retraite alors que le mandat n'est pas fini, en violation du principe d'inamovibilité. Mm-hmm. Nous, ça, c'est pour la mise en place. Il y a une feuille de route qui sort bien pour faire. Donc, au moins du jour, un gouvernement élu, ce n'est pas job li pour l'entrée dans des réformes de société parce que le pas élu, le pas de mandat. Alors, un gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire. Il n'est pas élu. Et donc, il n'est pas capable d'entrer dans des réformes de société. Des réformes de société, il faut gagner mandat. Mm-hmm. Or, pour gagner mandat, il faut gagner élection. Donc, premier rôle de gouvernement, ça, c'est mettre tout mécanisme en place, toutes conditions en place, c'est-à-dire sécuritaire, juridique, institutionnel, pour qu'il y ait des vraies élections qu'à faire. D'abord, problème sécuritaire. Problème sécuritaire qui envahit nous, qui handicape nous dans tout ça en fait. Et on gagne problème ça. Deuxième, en commençant par le CEP, nous t'ai parlé de ça tout à l'heure. Et le CEP, les membres du CEP, leur institutionnel, leur choix de manière constitutionnelle. Et problème de carte électorale là, problème de liste électorale là tout. Et donc mon audit qui pour faire. Et donc le pour que nous que tout le monde gagne confiance en lui. Et là tout le monde gagne confiance en mécanisme ça, mécanique électorale là, le ça on va et que donc minimum de sécurité, le ça on va gagner des élections. À la limite, on t'a qu'à dire ça c'est objectif prioritaire de gouvernement qui peut monter et selon Jean nous proposer. Alors ça, la question que l'on pourrait se poser, que l'on pourrait vous poser aussi, qui passera ou qui passerait l'accord de cause du chat, qui fera le premier pas vers ce scénario idéaliste même, mm-hmm. que nous sommes en train de monter sur le plateau aujourd'hui. Nous préparer, hein, que nous réfléchissons sous lit, et discussion, etc., que nous mettons sous tapis. Ce n'est pas pour nous lier. Nous la gueule by PIA, nous la gueule by Mounio. Il y a accepté li, il y a modifié li, il y a amélioré li.
établir et faire de route là, bah d'abord pour établir un accord et qui pour ta permettre que et tout le monde d'accord sur le processus là. Parce que bien des propositions jusqu'à présent, on a dit bon, on a fait. Mais nous, nous-mêmes nous disons, bon, ça c'est un processus que nous mettons qui chita sous constitution, sous idéal démocratique, donc et qui neutre, en ce sens que nous pas privilégier ni un groupe, ni un autre. Donc, vous ne faites partie d'aucun parti politique, peut-être vous êtes de la société civile de manière générale, comme universitaire, comme académique, académicien, si on veut comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas vous identifier à rose et blanc, jaune et vert, ou autre, et autre. C'est-à-dire, d'après vous, cette proposition devrait être potable et viable. Bon, nous le souhaitons, mais disons que nous proposons lui, parce qu'on va pas dans tout texte, on n'a pas dit, mais ça, bien pour faire. Nous toujours dit, nous proposons, et nous proposer. Et qu'on y ait un secteur qui doit approprier de lui, je me dis secteur, tout secteur qui a un poids dans la société. Et c'est-à-dire que M. Henri doit prendre, il dit, bon, eh bien, à partir de là, on nous mettait en place. Secteur société civile là, secteur parti politique yo, et reste dans la qualité là, doit prendre, et puis on dit, bon, on nous travaille sous lit, on nous mettait ensemble de façon à ce que nous gagnions un véritable consensus pour nous faire accord, pour nous aller dans le chemin pour que nous fassions des élections crédibles dans le meilleur délai. C'est malheureux d'en parler, quand je dis que c'est malheureux, peut-être d'aucuns. Ça va dire le contraire, il y a des gens, même si on est d'accord, mais puisque c'est de où ça sautille, c'est où qui dit X ou Y parole, il est refusqué, il est fâché contre ça. Il y a dit, où est la place de l'international dans tout cela, la communauté internationale que nous attendons souvent lorsque nous parachutons entre nous pour nous discuter, mais lorsque la communauté internationale, le blanc nous invite, nous avons accepté Chita, ennemi avec ennemi, etc., à nous discuter, parfois nous d'accord, même en ouvrant la bouche à proposition. Il y a dit, est-ce que l'international ne poserait pas ou bien son veto sur une telle proposition pour dire, puisqu'on n'a encore rien dit, ça ne peut pas passer? Eh bien, pas de prétexte encore, qu'on n'a encore rien dit. Nous disons bagaille et nous proposons une solution haïtienne. Et Kounia, si il y a des gens dans le secteur international là, qui t'a voulu aider nous, il y a qu'à prendre un texte à tout et puis je dis, bon, monsieur, à partir de là, on avance. Mais parce que le yo t'a gagné raison faire ça yo t'a voulu faire si pas de aucune proposition argumentée et qui fondée juridiquement. Et tandis que là ça nous essayer faire c'est proposer une solution argumentée, une position qui chita sur des principes démocratiques, sur des principes constitutionnels, pas qu'à gagner excuse encore pour quel que soit groupe là international ou national dit que pas grand existé nous-mêmes n'a pensé. Ok, tandis que c'est ça qui à la limite t'es qu'à offusquer certains monde et ou que blanc fourré bouchli ou bien que des autres monde veulent faire ça, mais et yo, parce que politique en dehors de la loi etc, mais politique c'est un rapport de force, c'est un rapport de réalité, c'est-à-dire m'a pas avancé tant que pas gagné en face. Si en face là et il a dit il faut une solution haïtienne, mais solution haïtienne n'a pas qu'au formuler, que le pas qu'au argumenter, que le pas qu'au articuler, eh bien l'autre monde n'a pas avancé. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a une solution qui se veut haïtienne, réfléchie par des haïtiens, sans aucune influence de étrangers ou bien de partis politiques, nous dit parce que nous aimons pays nous dit mais comment t'as qu'à sauter dans ça, eh bien et l'autre monde n'a pas gagné aucun prétexte pour dire que haïtien pas jamais dit rien, haïtien pas jamais dit ça veut dire non. Il y a des Haïtiens qui disent, mais ça nous pense qu'il est bon pour payer. Vous savez, Maître Bernard Vos, un ancien sénateur, homme politique, avait dit sur le plateau de Métropole que nous trouvions une procédure, une proposition nous fait à plusieurs secteurs qui l'apprend, mais c'est international qui parle de en parlant de l'exécutif bicéphale avec une proposition d'une présidence provisoire. Oui, mais lorsque Kounia, en plus de ça, ou gain des universitaires, et qui et métier c'est étudier, enseigner, travailler sur question ça, qui connaît histoire constitutionnelle pays, qui connaît histoire pays, qui en plus appartenu à pays, qui dit mais comment pour le fait, eh bien et bah quoi que la cour constitutionnelle c'est en dehors de pays accueillis, donc il y a bien obligé de dire oui mais si
l'ensemble de l'université. On m'a dit que nous, c'est universitaire, pour peut-être pas nous, c'est pas samedi, mais n'empêche que nous sautons dans le secteur universitaire là. Si l'université dit que, et parce que nous-mêmes, nous étudions question ça, et que, mais ça qui est plus bon pour le pays, et on pas qu'à rejeter le revers de main. Ce ne devrait pas être le cas, évidemment. Vous placerez ton, vous devrez être placé, s'il le faut, l'enquête sur les différents massacres. L'assassinat de Maître Montferré d'Orval, notamment l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est en cours, une enquête qui continue et qu'on oserait même dire qui se poursuit dans les conditions que nous savons. Quelle serait la place de ces enquêtes-là, mais de celles-ci notamment? Bien, ça c'est un document que nous proposons, nous pensons que justement, que faut que le gouvernement a fait en sorte pour que vous dynamisez ou lancez l'enquête. Et sur des bagages qui sont emblématiques et qui frappent et qui blessent les sociétés, qui continuent à blesser les sociétés toujours. C'est-à-dire, vous avez une enquête sur l'assassinat bâtonnier d'Orval. Dernier assassinat et de président Moïse. Ou bien Delma 32, ou bien massacre de la Saline, ou bien dossier Petro-Caribé. Il y a des bagages qui font nation mal et que nous pensons que faut que nous mettions conditions logistiques, conditions humaines, conditions parfois même institutionnelles pour que l'enquête soit commencée, que l'on poursuive et puis surtout que aboutit. Pas poursuivre dans le sens haïtien. Quand on dit que l'enquête se poursuit, c'est que c'est jeté dans les tiroirs de l'oubli ou bien c'est classé sans suite. Exact. Dans notre manière, dans notre parler à nous, quand on dit que l'enquête se poursuit, c'est ce que l'on dit ou c'est ce que l'on se dit. Maintenant, comment on peut comprendre des juges qui n'ont pas accepté instruire affaire sur le plan juridique? Est-ce que c'est légal, socialement, est-ce que c'est acceptable? Et Maître Bernard Roussin, ça arrive, vous, et qui êtes expert en droit, professeur à l'université, c'est un fait d'école, ça, d'après vous? C'est un fait, disons que c'est un fait très exceptionnel, parce qu'on juge en principe, doyen du, bon, blague et dossier, ça, nous, mon job, c'est prendre un dossier, et puis commencer à faire le travail. C'est-à-dire, ça, c'est réponse juridique, là. Exiger les basiques nécessaires, évidemment. Hein? Et avec les bases nécessaires. Mais jugeo, il y a quand même pays à vivre tout. Et ou pas qu'à faire reproche, il y a une madame, il y a une petite, il y a une mari, et parce qu'il y a une juge fille tout. Et il y a un petit monde. Donc, il faut regarder qu'il y a une histoire d'enquête emblématique yo, qui ça, de qui ça a fait. Ou bien, enquête Jean-Dominique. Ça fait 21 ans que Jean-Dominique mourit. Mais ou en plusieurs juges d'instruction. Gagné qui révoqué, gagné qui menacé, gagné qui déporté tête, donc obligé pour exil. Ou gagné enquête sous bâtonnier d'Orval. Ou gagné un juge qui désigné, il a commencé à craser machine, il a ballon l'autre machine. Mais pour il a ballon après ça, un policier, et pour sécurité. Li. Mais quelques temps après, et ça à peine quelques semaines, il a retiré les armes dans mes policiers. Donc, ils ont commencé à déshabiller le juge là. Et voilà que semaine passée là, Jovenel qui est mort, ils ont retiré machine dans mes policiers. Ils ont déshabillé net. Donc, l'autre juge, il a regardé ça. Il a dit, bon, moi-même qui pourrais rentrer là, si vous avez fait un président, ça vous fait là, qui ça vous pas fait moi-même. Donc, vous gagnez, que ce soit pour assassinat Jean-Dominique, assassinat d'Orval, de temps en temps, on entendait que yo cassé greffe là, yo volé pièce à conviction. Donc, qui condition que le pral gagner qu'on y a, c'est que pièce à conviction, ça veut comme mettre au nom coffre, et que coffre ça n'a pas cassé. Donc, c'est un ensemble de conditions. Et est-ce qu'il y a pas mettre moyens à ma disposition, c'est-à-dire des moyens techniques, c'est-à-dire et des policiers enquêteurs, des techniciens sous question de télécommunication, pour décrypter télécommunications, pour décrypter mouvements financiers, pour nous avancer, pour nous arriver côté rivière. Donc c'est tout, c'est pas le simple fait de dire, m'ballon juge et puis il gagne 6 mois pour faire enquête. Non, est-ce qu'il y a moyen pour faire enquête là? Si le temps, moyens économiques, moyens logistiques, etc. Avec l'assassinat du bâtonnier Maître Montferré d'Orval, nous t'ai dit que... Si vous voulez, m'établissons l'autre exemple tout. Mm-hmm. Puisque vous citez l'assassinat d'Orval, mais il faut en tout que c'est tout appareil judiciaire qui a marché ensemble. Donc, et voilà que vous avez des mandats
que un juge d'instruction émet malgré tout les problèmes que le TGEO et au gain des mandats que l'IMET et puis c'est commissaire du gouvernement lui-même même qui bloque mandat qui fait que mandat pas joindre destinataire yo. Donc en fait frein à enquête là sont dans appareil là même lié c'est-à-dire qu'à commissaire du gouvernement donc voilà un ensemble de facteurs on a cité tout facteur depuis sous et donc qui a fait que un juge jodia l'approche il pour dire le monde aussi m'a baou il a dit monsieur le doyen avec tout le respect que je vous dois et qu'on me lance une raison personnelle je peux pas l'accepter voilà. Maintenant avec l'assassinat je disais de maître Montferry Dorval et je m'en souviens j'étais au funérailles dédié au feu le bâtonnier on t'a dit que si maître Dorval ne trouve pas justice ce sera quelque part la défaite du droit et on sait aussi que la défaite du droit est éphémère dit le jargon juridique. Mais le président garant de la bonne marche des institutions vient d'être assassiné dans des conditions floues et peu connues. Même pour trouver des juges pour mettre sur l'affaire, c'est difficile, pour ne pas dire impossible. C'est la rive que l'on ne trouve aucun juge. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan légal, maître Bernard Rousse? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le déroulement qui mènera certainement au dénouement de cette enquête que nous voyons évoluer dans une situation bizarre. Bon, et moi, pas un divino, pas dit dans boule de cristal, donc je ne sais pas exactement que ça va passer. Je connais ça, la loi dit qu'il y a pour faire, mais est-ce qu'il y a un juge là, tout moyen pour l'avancer? Dans des grands ministres, lui-même, lui demandait que son enquête internationale qui peut être faite. On a parlé du ministre Claude Joseph. Mais c'est le même ministre Claude Joseph qui lui a demandé que son enquête internationale pour Monseigneur Dorval, il n'y a pas de secret quoi du tout. Et donc, le gouvernement a dit, pas même dit non, il était tout simplement ignoré, appelle ça. Donc, moi personnellement, moi, compte question que c'est des juges internationaux qui vous avez fait instruction. Moi, pour une coopération judiciaire internationale. Et c'est-à-dire que il y a par exemple des experts médecins légistes, des experts balistiques, des experts comptabilité et forensique comptabilité, que c'est des experts en télécommunication, en criminologie. Et qui viennent aider, et je n'attends que ça, quoi, mais c'est fait qu'ils viennent aider aux enquêtes qui menaient par un juge. Et pour des enquêtes de cette envergure, nous, elle, déjà dans l'autre pays, par exemple, les grands procès de la mafia, et aux États-Unis ou bien en Italie, eh bien, c'est quand on tâche qui dépassait un juge. Il y a des poules de juges d'instruction qui ont mené l'enquête là parce que vu la masse d'informations et la masse d'accusés que vous gagnez pour. Oh là, nous avons près d'une trentaine de monde que vous indexé. Vous avez dit que l'enquête policière a trop duré. Déjà gagné une trentaine de monde, mais l'enquête policière, c'est une première étape. Mais l'enquête policière. Rivons-le, force l'y fait sous l'autorité et la conduite de la justice, c'est-à-dire de cabinet d'instruction. Or, pendant les premiers temps, oui, que la police t'a gain droit et arrêter de monde, interpeller de monde, interroger et même que le commissaire du gouvernement t'a gain droit aider à faire ça. Mais, encore une fois, nous avons toujours dit, faut que nous respections les principes. Grand principe qui dit que tout accusé, quel que soit le stade de procédure, c'est-à-dire même au commissariat de police, il faut qu'il y ait un avocat qui accompagne. Parce que le cas faut dire ça que pas ça, le cas faut signer, soit pas connu. Surtout si vous ne comprenez pas la langue, il n'y a pas la voix là. Okay? Donc, est-ce que vous avez un traducteur qui pour bailler? Donc, un commissaire du gouvernement qui peut mettre des mandats au-delà du délai de flagrance. dans les premières heures, et on a flagrant délit toujours, mais pas trois semaines après. Donc, des mandats qui viennent avec trois semaines après, ils ont des gens suspects. Donc, et ceux qui, malheureusement, capables de détruire l'enquête là.
Parce qu'un avocat de la défense, il doit arriver, il dit, bon, tout aveu, toute déclaration qui est faite dans le DCPJ, alors que pas de gain avocat, nous demandons d'annuler, nous demandons de la justice, pas tenu compte de eux. Parce que c'était illégal. Parce que c'était illégal. Donc, le respect des lois et le respect des procédures, ce n'est pas pour embêter au monde, non, c'est pour permettre que la vérité soit établie de manière claire et de manière indubitable. In fine, quelle devrait être la durée d'une enquête telle que celle-ci, prenons l'exemple de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui durait en fait ça, à l'ouïe. Bon, exactement. Moi pas qu'on donnait, tout donné, moi pas qu'on ça qui méritait, parce que moi pas dans l'enquête là, moi pas pris l'enquête là, et ni du côté de l'accusation, ni du côté de la défense, donc pas qu'on tout élément, mais ça me dit, il faut qu'on prenne le temps qu'il faut pour aller jusqu'au fond, pour que c'est pas seulement des lampistes, et, c'est-à-dire des exécutants, que les auteurs matériels voyaient chercher joindre qui monde qui était derrière ça. Merci beaucoup. Merci infiniment maître Bernard Rousse de votre disponibilité. Si vous avez un dernier message surtout dans le cadre de cette proposition faite à la nation, donc c'est le temps de communiquer et aussi peut-être des conseils juridiques qu'on ne sait jamais vraiment parce qu'on en a besoin. Bon, d'abord merci de l'invitation qu'on fait maintenant et seul ça me dit c'est que son proposition citoyenne de quatre mondes qui aimaient pays et qui pensaient que nous capables de trouver des solutions, mais pas dans une improvisation totale, mais sur la base de principes démocratiques et de l'esprit de constitution qui caprégine nous en toujours. Donc,